Salut à tous les gamers, gros Nissat aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo top 10 campeurs, mais également les amis, tout ce qui nous fait rager sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops 3, entre bugs de connexion, entre voilà, entre campeurs, entre vous verrez bien quoi, j'ai jugé utile de vous faire quelque chose d'un peu plus recherché et original, même si voilà le premier top 10 campeur sur BO3 que vous est sorti, il vous a grave plu. Sachez d'ores et déjà les amis qu'il n'y a pas de véritable classement, il s'agit de 10 clips, le 10e pourrait être le premier et vice versa. Ok, allez c'est parti les amis pour la 10e position. Et là, on est tout simplement donc sur la map Hunted. Et tu vas te rendre compte, ça c'est un truc qui arrive de manière très récurrente. C'est regarder, c'est les broken cam. Et donc la personne te voit alors que toi, à ton écran, tu ne la voyais plus. Et ça c'est quelque chose qui me met complètement hors de moi. On est en 9e position, je suis avec mon petit locus, monochrome, etc. Tu joues tranquillement. Et tu vois ces petits freezes depuis le dernier patch 1.09, je vous le jure les gars, je l'ai quasi au moins une fois par game, si pas plus. Les patchs qui détruisent carrément le jeu pour ma part, hein. Je vais être cash avec vous limite. Et là je vous l'ai mis en accéléré, vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais on avait lancé une game sur Nukton, on était censé rentrer dans une game, je pense, de dernier rempart et on va se faire téléporter. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, même en live stream, on se fait téléporter carrément dans une autre game, donc là en l'occurrence en liaison. Et regardez, le pire, c'est qu'on va arriver dans la game et c'est une game qui est une game fantôme. Bah là, tu le vois. Un truc complètement... What the fuck? Tu hallucines, tu te dis... Man, c'est quoi ce jeu? Tu vois ce que je veux dire? Ils te font des patchs, mais les patchs sont pas patchés. Petite dédicace à Raiden, tu vois. Il saura de quoi je parle en disant cela. Là, on est en 7e position, les amis. Et donc pour me rappeler un peu du clip, voilà, donc je lance un dernier rempart pour sniper tranquillement, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les décos de l'hôte. Donc il existe encore un système d'hosting justement sur ce Black Ops 3, et quand quelqu'un n'accepte pas de se faire victimiser, ou un se ramasse un sale kill de malade ou un clip, etc., bah, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une déconnexion, un rage kit console. Et là, tu vois, bah, la game, elle disparaît pour tout le monde. D'ailleurs, ce sont des games qui n'existent même plus en mode studio, vous pouvez toujours vérifier. Et donc là, tu vois, je m'amusais un peu avec le mec sur le mur pour faire passer le temps. 6e position, les amis. J'enchaîne tranquillement avec mes marches à la Kimbo, etc. C'est souvent des games d'ailleurs en solo, si je me souviens bien. Parce que c'est quand, voilà, quand je joue avec ce genre d'âme comme ça, c'est pour jouer en solo. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le fameux lutin. Alors, qui n'est pas tombé sur ce fameux lutin magique? Le lutin d'en dessous du pont, les amis, sur Combine. Tout le monde l'a croisé. Le mythe disait donc vrai. Là, on est sur Splash, le tout premier DLC. Une map très colorée, très agréable à jouer. Que tu peux jouer avec tout un tas d'armes, etc. Mais le nombre de gens qui jouent comme ça, dans des corners, etc. Alors que, voilà, c'est triste à dire, mais Call of Duty, c'est pas ça. À la base, c'est vraiment aller chercher son kill. Ah bah moi, ça me dégoûte clairement. Non, 4e position, et là, c'est un clip que MGK Gun m'a envoyé. Yes, c'est une grosse dédicace à toi. Il rush tranquillement avec la Weevil sur la map Gauntlet, encore une fois. Et il tombe sur quoi? Sur l'homme fougère. Et ce qui est génial, c'est que regardez-le, c'est à peine si tu peux deviner qu'il y a quelqu'un qui est là, si il bouge, et il bougeait pas. Et il l'a mis sur sa vue. Regardez, il lui a mis un gros one-shot, c'est un truc de ouf. Et lui aussi, il était à la Wii, là, tu veux juste pour dire, c'est moi. On joue à cache-cache aujourd'hui sur Call of Duty en multi. Là, c'est Infinity quelque chose, j'ai oublié, je te demande pardon, en tout cas pour ton pseudo. Voilà, Infinity Arrow, et il déloge très souvent sur cette map Redwood. Les gens campent ensemble, et je trouve que c'est hyper astucieux ce qu'il a fait. Il a donné un coup de tempête, et regardez, son coup de tempête s'est transformé en balle quad, vous ne rêvez pas. 2e position, ça c'est l'homme caillou. Et ça doit être un garçon qui campait comme ça toute la game, parce que tu le vois, il bouge pas. Et donc Cédric CR7 m'a envoyé ce clip là. Et là, on est avec un clip que Lautetto m'a envoyé, le Suisse. Et je l'ai mis en accéléré, les amis. C'est un gars au Dracon, et Nukton est devenu comme ça sur BO3. À savoir, c'est une map à laquelle il y a tout le temps dans chaque game, t'as un ou deux mecs dans les tops et qui ne bougent pas. Et si tu les spawn kill pas, je vous jure, ce sont des gars qui ne bougent pas et qui jouent comme ça tout le temps. Donc moi, je vous ai mis la séquence en accéléré parce que le clip, bon bah voilà, c'était limite une partie de gameplay, hein. Donc c'est à peu près 5 minutes limite qu'il m'a envoyé là, tu vois, en termes de gameplay. Moi, je vous les mets en accéléré, c'est pour que vous voyez. Et ça joue sa vie et ça joue sale, et c'est encore plus accentué lorsque ça reconnaît d'éventuels youtubeurs, etc., etc. C'est triste à dire, mais c'est vrai, parce qu'il y en a qui adorent foutre la haine comme ça. Et là, on est en pole position.
Première position, et pour ma part, c'est vraiment ce qui me fait le plus rager sur Black Ops 3, c'est le fait que l'écho soit non seulement instable, mais qu'ensuite, après une grande journée, voilà, après une longue journée, t'as parfois juste envie de lancer une game, etc., avec un ou deux de tes potes. En l'occurrence, un très ancien clip, hein, j'étais Prestige 2 ou 3, je me souviens même plus. Et tu essaies juste de lancer une game, et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça bug, et tu sais même pas jouer ta game, etc. Ça met le mauvais hôte, celui qui n'est pas capable d'assumer, on va dire, le salon de jeu, etc. Tu deviens un peu fou. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Et pourquoi j'ai choisi de mettre un ancien clip, justement, et tu le vois, là, j'hésite entre quitter la partie, choisir la classe, etc., etc. Et au final, je vais finir par acheter la game. Pour la simple et bonne raison que les patchs ont beau passer, etc. Je vous jure, ils ne corrigeaient jamais les problèmes de ce jeu. Donc maintenant, les amis, j'espère que ce top 10 camper, bug de connexion, etc. vous a fait plaisir. Bombardez les likes pour le temps que ça m'a pris, les amis, de récupérer tous ces clips, etc. Je remercie énormément tous ceux qui m'ont envoyé leurs clips et qui ont on va dire, contribué également à ce top 10. On va dire un peu plus, varié. En termes de pseudo-plaisir, c'est surtout les trucs qui nous font rager, qu'on déteste le plus, tu vois. Et puis, bombardez les likes, les amis, c'était Grony. N'hésitez pas à checker mes posts précédents du Rocket League et une vidéo bilan de mes attentes sur Infinite Warfare et Code 4 remasterisé. Beaucoup de gens me posent encore la question. Un petit massacre au Locus, et surtout l'ambiance qui est délire. Je pourrais vous faire de bien meilleurs gameplay au Sniper, vous inquiétez même pas, c'était Grony. Portez-vous bien, ciao les gars, à plus, bye bye.